Samba David a lancé un cri de cœur à l'endroit de la ministre de la Culture et des Industries des Arts et du Spectacle, Madame Arlette Badou Nguessan Kwame. En effet, l'artiste chanteuse Rignon Dodo La Terre est entre la vie et la mort. Votre serviteur a pu voir l'icône. Il nous a été difficile de prendre des images pour une question d'éthique journalistique. Toutefois, nous pouvons confirmer que la situation de ce promoteur de la musique traditionnelle BT est critique. Le combattant des libertés humaines du Nikez, alias Samba David, a adressé une lettre ouverte à sa ministre de tutelle depuis sa page Facebook. Madame la ministre, en votre qualité de mère des artistes, je voudrais vous exposer une situation que vous ignorez certainement vu vos nombreuses charges. Cette introduction du coordonnateur général de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, en abrégé Sissi, est proche de l'artiste, démontre que depuis sa chute, le ministère n'a jamais cherché à s'enquérir de son état de santé. Peut-être par manque d'information, mais qui devrait remonter l'information. L'artiste, selon le courrier, souffre d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Madame la ministre, il a besoin du soutien de tous. Le soutien de sa famille biologique, mais aussi celui de sa famille artistique dont vous êtes la première responsable. Madame, en sauvant cet artiste, c'est l'art ivoirien que vous sauvez. Réagissez s'il vous plaît. La région du Gore vous sera très reconnaissante. Un véritable cri de l'âme, un SOS émis par Samba David. Les maigres moyens de sa famille biologique ne peuvent tenir face à l'ampleur de son cas. Il faut préciser que Zirion Dodo La Terre est le président des artistes de la région du Gore. Il a fait une chute chez lui alors qu'il s'apprêtait pour un spectacle. Toutes les bonnes volontés pour sauver cet artiste sont sollicitées pour un rétablissement à l'icône.